Salut à tous mes chers amis, c'est Aquasis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre aventure sur The Boogeyman. Alors, nous venions juste de voir qu'Elena devrait vraiment être une héroïne de RPG horreur. Et ben on continue. Oh, c'est un grand escalier. Ouh, on est à l'extérieur. Cool. David, tout va bien? David, levez-vous. Keith, how? Où est-ce qu'on est? Shirley? Calmez-vous, écoutez-moi et répondez-moi d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Que s'est-il passé? Je crois. Shirley? Ah ok, il s'est endormi comme ça quoi. Mais vraiment du temps. Shirley? Y'a pas du sang là? Shirley? Ah non, elle est là. Shirley, que s'est-il passé? Tiens bon! Oh, et boum. Oh. Je ne sais pas plus ce qui s'est passé après. Hein, très bien. Brandon et Stevie sont tous les deux. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne fais pas de blagues d'un si mauvais goût. Lance et les Grandler ont sont en sécurité. Je pensais que vous auriez été kidnappés aussi, mais j'imagine que non. Alors Charlie est parti parce que il a dû la prendre. Essayez de vous appâter, je parie. Je me demande ce qu'il complote. On doit se dépêcher. Je vais vous amener aux autres. Vous restez avec eux. Pas question, il faut que je la retrouve. C'est ma femme, il faut. Écoutez-moi. Vous allez juste me gêner. J'y vais, quoi qu'il arrive. Il va pas te gêner, il a déjà eu affaire à ce genre de truc lui aussi. Un 9? Comment vous avez fait pour éviter ça? Pourquoi vous non? Vous auriez pu me dire baissez-vous, quelque chose comme ça. C'est votre faute pour être venu. C'est exactement pour ça que je voulais que vous ne bougiez pas. Hein? Oh, donc c'est maintenant que je suis avec David? Yeah, je veux bien, je suis d'accord avec la. Oh! Ok, quelque chose m'a tué. Ça avait l'air d'être un boulet de canon ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ok, très bien. Alors, les rouges sont pas bons. Oh! Et les verts sont des lames. Très bien. Les noirs et les blanches, donc. À la limite, les blanches, ils t'envoient que des œufs, donc c'est déjà pas mal. Ok. Oh, bien joué! Ok. Hey, il commence à être bon à ça. Bizarrement, c'est comme moi, oh non, c'est rien. Voilà. Il y a une sorte de panneau de contrôle sur le mur. C'est pas en foutant des coups de pied dedans que ça va marcher, hein. Ouais. Est-ce que c'est bon? Yeah. Cool. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un couteau là-dedans. Oh bah pourquoi pas. Là, il y a des œufs. Ah voilà, c'est bien boulet de canon, c'est bien ce que j'ai vu. Je suis pas fou. Je suis pas encore fou. Ça va, j'ai encore de l'œil. Bah allons devant. Ok. Pas grave, on va aller là-bas. Il y a des trucs, est-ce que mon... Ça m'étonnerait. Non, forcément. C'était des planches d'ailleurs, excusez-moi. Oh, on est encore à l'extérieur. Pourquoi la porte est... bizarre. Ah, ok. Bon, bah, en procédant par élimination, je peux en déduire qu'il fallait que j'aille sur la droite. Ah. Tu peux pas me le dire, plutôt. Il n'y a rien. Quoi, tu te fous de ma gueule? Hein? Le boogeyman?
Oh non, on dirait que j'ai été cornered. Ah, c'est acculé par Monsieur Détective. Back to the wall, nowhere Dos to au go. mur, nulle part It's où like the aller. end of a chase C'est comme la scene, fin straight from a d'une movie. course-poursuite, toute droite sortie d'un Now movie, d'un let's film. Oh you mon Dieu, c'est be pas vrai. Brad Pitt and Morgan Maintenant, voyons Freeman. voir. So I'm John. Vous seriez Brad Pitt et Morgan Freeman. Alors, je suis John Doe, hein? Aucun Could it d'entre be true? nous ne pourrait être Morgan Freeman ou même Brad Pitt. Ah, non. Où est-ce que tu as amené Shirley? Are you the guy who Hey! kidnapped Vous êtes le Shirley? type qui a Where is kidnappé she? Shirley? Où est-elle? Ah, so nice to Oh, que see c'est you, bon de te Eddie. voir, David. Can't help Tu peux worrying pas about your t'empêcher de wife, t'inquiéter I pour ta see. femme, je vois. Ne t'en fais Worry pas. not, Tu vas la you'll be rencontrer dead très bientôt. soon, Bien plus tôt que soon. tu ne le penses. So Qu'est-ce que c'est que then, ça? here I have a Alors box. voilà. Surprise, a J'ai gift une for boîte. me to use. Surprise! Un cadeau pour I'd toi. like David to open Je it, suis if sûr que David possible. aimerait I'm l'ouvrir si sure he'd possible. be Je suis sûr qu'il stunned. serait surpris. Enfin, stunned. Oh non, ne me dis pas que Shirley est... Well, anyway, you Enfin two bon, vous take deux. your time and enjoy Prenez your votre temps presents. et appréciez le cadeau. Ok. David? David? Oh, bon, j'imagine que je vais m'en occuper moi. Du sang coule de la boîte et ça a une odeur très forte. Ah, il faut bien, non? Wait. Attendez! Non! Don't Si vous open it, l'ouvrez, ça... please. Ne l'ouvrez pas, s'il vous plaît! Stop. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ne t'inquiète pas, elle n'est pas ta pute. Quoi? Thought so. Ah non, ta chienne! Elle n'est pas ta chienne et c'est la tête du chien! J'y pensais bien. Damn it. Oh, Does that asshole think he is? bordel de merde! Qu'est-ce qu'il pense qu'il est, ce connard? Calm down. Don't let it rile Calmez-vous. you up. Il ne faut pas laisser ça. Oui, non, faut pas laisser ça vous perturber. Come to think of it, Keith. En y Helena is pensant, okay, Keith, isn't she? Elena va bien, n'est-ce We haven't pas? found her yet. Je ne l'ai pas encore vue. What? Quoi? I was Mais sure. j'étais sûr que. I Je veux dire, vous just semblez wasn't sure to tellement. what. Tellement quoi? We have to find them. Quick! Il faut qu'on les trouve Shirley and vite! Elena both. Shirley et Elena, toutes les deux! Ah. Tête d'un chien dedans. Il y a quelque chose d'autre dans le coin. Oh, une clé de chapelle. Voilà, parce que bitch veut dire à la fois donc pute et chienne. Et forcément, comme c'était la tête du chien qui a été coupée, c'est donc elle n'est pas ta chienne. Ah, c'est un détail. C'est la chapelle? Bien. Regardons. Une chapelle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Shirley! il y a un truc là? Shirley! Oh putain! Hold it. Attendez! Quelque chose sur le Right sol. there, it's the dynamic duo again. Et là, c'est le duo dynamique à nouveau. Oh mon Dieu. Toi. Stay back, he's armed. Restez en arrière. Il est armé. Ooh, Comment shaking, ça, il est armé? David. T'es Oh, are you fou, mad, quoi. I wonder? Sorry to Oh, je tease you, but. tremble, David. Oh, je suis en colère, je me demande. Oh, désolé de t'avoir taquiné tout à l'heure. Mais je sais ce que tu ressens quand tu ne sais pas si la personne que tu aimes est en sécurité. C'est vraiment désarmant. Maintenant, maintenant, ne regarde pas derrière toi. Mais David, oh David, tu demandes quelque chose que tu ne peux pas avoir. Tu sais que tout le monde va toujours te quitter. Alors pourquoi est-ce que tu te bats tellement? De quoi tu parles? Va, éloigne-toi de Charlie maintenant! Very well, Très I will bien! open your Je vais eyes. ouvrir tes Men are yeux! always led astray by women. Les hommes sont toujours détournés par les femmes? Comment ça? This Je sais is what pas. the evil ones deserve. C'est ce que le. C'est ce que. Ceux qui sont maléfiques Get méritent. back. Éloignez-vous! Oh Shirley! bordel! Oh merde! Hey. Wow, comment il a fait David, ça? can you untie the rope? David!
Pouvez-vous tirer les cordes? C'est pas bon, elles sont trop serrées. Attends. J'ai le couteau. David, utilisez ça. Charlie, hey, réveille-toi. Charlie. Bien joué, David. Je savais que vous vous sauteriez dedans. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Comment vous en sortez? Bien? Mais oh là là, je ne te comprends vraiment pas. Hein? Tu devrais la larguer de la même manière que ses parents. Alors je sais pas s'il dit ton larguer ou l'ont largué aussi. Parce que comme c'est pas écrit que j'entends pas ce qu'il dit, je peux pas le dire. Mais apparemment ses parents l'ont repoussé. Elle n'a jamais eu besoin de toi pour quoi que ce soit, de toute façon. Hein? Once a loner, always a loner, David. D'abord un solitaire, toujours un solitaire, David. Deux solitaires qui se mettent ensemble pour se sentir mieux. C'est plutôt vide, tu ne crois pas? Et moi qui pensais que tu connaîtrais le désespoir d'avoir besoin de quelqu'un sur qui compter. Et l'ennui d'être quand on a besoin de toi. Mais toi et elle, ça ne fonctionne pas. Tu l'abandonnes. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ah, c'est vrai. Tel père, tel fils. La ferme. La ferme! Et comment il sait tout ça, lui? Comment il sait tout ça? Je veux dire, ça c'est tel père, tel fils. On a quasiment jamais entendu parler du père de David dans The Crooked Man. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il était tout seul quand sa mère était malade, mais... Waouh, violent. Oh bon, si tu n'écoutes pas mon conseil, alors laisse la mort faire sa part. Enfin, laisse la mort vous séparer plutôt, il a dit. Je vais en faire une dramatique pour toi. Tant qu'à faire. Oh non. Je vais me partir maintenant. Je ne voudrais pas vous déranger dans un moment si chaud. C'est vraiment pas le moment. Oh quoi? Oh oui, excusez-moi. Est-ce que ça arrête le compteur? Non, ça ne l'arrête pas, merde! Je fais quoi? Est-ce quelque chose? Ah, ok, je peux casser la porte. Ok, j'ai vraiment la chance décidément de trouver des trucs. Dépêche-toi, est-ce que ça marche au moins? Est-ce que ça n'a pas l'air de marcher? Si on me donne la possibilité, c'est que ça doit marcher. Oh, c'est pas vrai. Dépêche. Ah, voilà. Alors, oh là, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pour l'eau, parfait. Augmente la pression. Ok, c'est aussi haute qu'elle ne peut l'être. Ne rien faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'il faut que je retourne les voir? Oh, le boogeyman. Où est-ce qu'il va? Grimper. Ok, je peux ouvrir là. David, est-ce que vous pouvez venir à l'échelle? Non, les flammes sont trop fortes. Restez là, je vais m'occuper d'elle. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Descendre l'échelle. Ok. Oh, ça m'a donné du temps. La lumière des flammes dans un crack dans le mur. Ok, est-ce que... Il faut... Ah! Casser le tuyau, oui! C'était chaud, ouais.
On peut le dire. Tout va bien? Vous êtes blessé? Je vais bien, merci. Mais Sharon ne se réveille pas. Elle est juste évanouie. Amenons-la dans la salle. Oh. Bordel. Charlie! Ah, elle s'est réveillée. David? Où est-ce que je suis? Ton bras, il est brûlé? Est-ce que tu vas bien? Que s'est-il passé? Je suis content que tu ailles bien. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je vois. Et tout ceci pendant que j'étais évanoui. Hein. Mais ça n'a aucune importance maintenant que vous êtes en sécurité, Charlie. Pareil pour vous tous. Alors, la seule personne qui n'a pas encore été trouvée est... Elena. Je vais la trouver. Ne quittez pas cette pièce. Attendez, Keith. Je viens avec vous. Oh? Ce n'est pas... C'est dangereux pour quiconque d'aller tout seul, de toute façon. Oui, qu'est-ce qui se passe s'il arrive quelque chose? Je vous le dis. Restez là. Mais... N'oubliez pas votre devoir. Qu'est-ce que cette femme est pour vous? Vous allez la quitter pour venir avec moi? Reprenez-vous. Vous devez la protéger. Charlie? Je comprends. Oh putain, j'adore Charlie. Il faut juste que je tabasse ce type bizarre qui porte un sac. S'il arrive, ok, c'est simple. Fais attention quand tu seras dehors, David. Tu feras ça, Charlie. Allons-y. Hey. Keith. Trouvez Elena rapidement, s'il vous plaît. Oh putain, Charlie, c'est girl power quoi. Est-ce que vous êtes stupide? Est-ce que vous êtes même en train de penser? Je suis pas stupide, mais je pense. Oui, je suis un peu confortable quand je ne sais pas quand Charlie va bien. Mais je sais qu'elle ira bien avec les autres. Vous avez vraiment une femme forte. Oui. Je perds en général quand nous nous battons aussi. Alors? Et Elena? Je ne sais pas. Eh ben... Putain, décidément, ce jeu, il est fort en émotion. Bon, un instant, les amis, excusez-moi. Nya. Ok, excusez-moi. Me revio là. Alors, attendez, je fais un cliquetis-cliquetout. Voilà, comme ça, moi, le jeu ne m'embête pas. Voyons voir. Il n'y a rien là. Il n'y aurait pas une porte ici? Je pense que le plus rapide serait de retourner à la chapelle histoire de... histoire de faire quelque chose quoi. Parce que on n'a pas eu le temps de l'explorer. C'est par où déjà? Qu'est-ce que... Oh! Bizarre, d'un coup je ne pouvais plus bouger. David, laissez-moi vous demander une faveur. Ah! On va aller là-dedans? Mon cou va se briser! Arrêtez de trembler! Vous ne faites pas d'exercice? Pourquoi essayez d'aller là-haut de toute façon? Ce gros... donc ce fou, il arrête toujours pas de s'échapper quand il ne semble pas y avoir de sortie. Et il apparaît de nulle part aussi. Il utilise clairement des routes qu'on ne connaît pas. J'ai besoin d'en savoir plus. Ce mur a été repeint aussi, alors je suis sûr qu'il y a un chemin là. Ça n'explique pas pourquoi vous m'utilisez comme un... Oui, donc un truc pour pied. Grimpez là-haut et... oui, donc, dépêchez-vous, en gros. L'Inde aurait pu marcher, mais je ne pouvais pas pousser un homme blessé à faire ça. Pour votre information, on lit seulement 3% de ce poids et du gras. Alors, excusez-vous. So, excuse you. Ok, ça a marché. Ooh. Amenez-moi jetez-moi votre briquet. Je vais aller voir plus loin. Ne bougez pas de cet endroit. Criez s'il arrive quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est ?
pourrais l'utiliser? Ah. Quel est cet endroit? C'est bizarre. Hein? Une échelle. Une petite porte. Voyons voir. Où est-ce qu'elle mène? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est la zone de... Oh. Oh, c'est l'endroit où il y avait la... Ah, où j'ai retrouvé Lance. Pourquoi je pouvais plus bouger? Ah, il y a dû avoir un bruitage, mais je n'ai pas entendu. Oh, c'est là où il y avait Shirley. You keep going under. N'arrêtez pas d'aller en dessous. Attendez. Je sûr qu'il y a autre chose. The people who have crippled you. You want to see them. Les gens qui vous ont blessé, vous voulez les voir brûler. Des morceaux de papier. Pourquoi des fois je ne peux plus bouger? Oui, j'ai remarqué qu'il y avait des écritures. Il y a des étagères, il y a des trucs dedans. Pourquoi? Ça arrête pas de faire des trucs bizarres. Et je n'entends rien, donc je ne peux pas savoir. Ça me fait un peu peur. Ah, encore un son, je parie. Une truc, du détergent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadavre d'un vieil homme. Le corps est décomposé et des vers ont commencé à proliférer. Ça a probablement été depuis des mois. Il y a quelque chose à côté du corps. Une vieille clé. Ah. Une vieille porte rouillée. Il semblerait qu'elle ait été fermée de l'autre côté. Ah, très bien. Donc, j'ai une clé, mais... À quoi elle me sert? Toutes les portes s'ouvrent depuis le début. Est-ce que je peux retourner là? Eh, retournons dans le couloir. Merci pour le briquet. Il y avait un autre cadavre. Oh, c'était un des serviteurs. Il était mort depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois? C'est pas un peu bizarre? Oui, ça l'est. Ah. C'est pas comme s'il était coincé là-dedans et qu'il pouvait pas sortir. Il a clairement été tué avec un couteau. Quel endroit ridicule. J'ai jamais voulu aller dans un endroit aussi malsain. Shady? Ah non, Shady, c'est pas vraiment malsain, c'est dans le sens, c'est louche. En quoi est-ce louche? Depuis quand est-ce qu'il y a des châteaux dans ce pays? Je pensais que... Voilà, je pensais qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal depuis le moment où mon boss a parlé justement d'un tour dans le château. Et ensuite on a trouvé que c'était la... Et quand j'ai trouvé que c'était donc le... Oh, le manoir d'un type européen de l'ère coloniale. Et que ça a de l'histoire de... Et ça a de l'histoire de natifs américains persécutés, en plus. Vous ne pouvez pas ouvrir ce genre d'endroit au public. Vous ne pourrez pas obtenir à... Oui, donc vous ne pourriez pas obtenir, ouvrir donc un piège à touristes. Vous auriez été poursuivi en justice. Les tribus qui ont été persécutées sont toujours là. Alors, qu'est-ce que ce type Brandon y pensait même? J'imagine que je ne saurais jamais maintenant. Si vous avez été suspicieux, alors pourquoi vous êtes venu? Parce que Helena voulait. Mais si j'avais su que c'était aussi terrible que ça, je serais jamais venu. J'aurais jamais voulu qu'elle apprenne ce genre d'histoire sanglantée. Avec un mois de repos, j'aurais pas pu l'amener nulle part. Mais j'ai choisi ici. Et maintenant, tout ça arrive. Alors, c'était pour Helena. Vous ne semblez jamais vraiment lui payer vraiment beaucoup d'attention. Alors, je pensais même pas que vous l'aimiez, pour être honnête. Je voulais lui payer plus d'attention, mais je pouvais pas. Mon subordonné n'arrêtait pas de m'appeler tellement, je pouvais pas m'arrêter. Ah, les détectives ont vraiment pas la vie facile. Mais ils sont toujours cool.
Juste en vacances, alors je suis juste un gars ordinaire pour le moment. Allez, allons-y. Si tu le dis, Keith. Bon. Mon instinct me dit que... Attendez, attendez. C'est quoi le chemin déjà? Ah. Je pense que c'est la chapelle. Il faudrait que je retourne à la chapelle, je pense. Oh! Ça ramène ici? Sans déconner, c'est plus facile que ce que je pensais. Alors. Quelque chose me dit qu'on va trouver des choses à la chapelle. Donc déjà, je vais sauvegarder. Parce que je ne suis pas tout à fait sûr de moi sur ce coup-là. Et allons-y. Alors. Pourquoi le seau n'a pas brûlé? Je peux pousser la croix? D'accord. Et ça fait quoi maintenant? Ah, je peux grimper sur la croix maintenant. Très bien. Oh! D'accord, pour passer par le vitrail. Oh. Ne me dites pas que vous allez traverser par-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous n'aimez pas, vous partez. Décidément. Doucement. Pitié qu'il se passe rien. Ok, hop. Sauvegardons. On a vraiment besoin. Ok. Alors, voyons voir. Une chambre? Qu'est-ce que ce genre de chambre fait ici? Un petit cheval. Des fleurs séchées. Des livres. Enfin, une étagère, une étagère. Un grand lit avec donc le truc autour. Une boîte à musique. Dansons sur le piano. Ok. Il y a un vieux livre sur le bureau. C'est un journal avec une écriture féminine. Père m'a donné de merveilleux cadeaux aujourd'hui. Une poupée de clown, une boîte à musique et un grand piano. Il m'a dit que les trois faisaient tous partie d'un set. La poupée rit quand on tourne la clé. Aujourd'hui, l'une des servantes était en train de chanter une chanson dans leur langue de sauvage. J'ai décidé d'en parler à père. Ah non, j'ai décidé que plutôt que d'en parler, plutôt que de le dire à père, j'ai demandé ce que ça voulait dire. Ça fait comme ça. Le soleil brille dans les montagnes et le vent souffle entre les arbres. Le vent caresse les fleurs et brille dans la lumière de la lune. Ça doit être pas très civilisé, mais je dois dire que je suis particulièrement que j'aime ça particulièrement. J'étais ennuyé aujourd'hui, alors j'ai demandé à l'une des servantes de j'ai demandé aux servants leur nom, à l'une des servantes de me dire leur nom. Ils avaient tous des noms profonds qui avaient l'air profondément bizarres. Il a dit que c'était Ndoi Gai Sno. Oh, j'arriverai pas à dire ça. Apparemment, Atsilvski était son nom. Mais il ne voulait pas me dire ce que ça voulait dire. Que c'était un. Qui était un pertinent avec moi? Je me suis offensé et j'ai décidé d'en parler à père. Il était vraiment enragé. Comment ose-t-il t'apprendre de telle ville mot à ma chère fille, qu'il a dit. Ce matin, quand je suis sorti, il y avait un vent fort. Oh mon Dieu! Quelle horreur! Et avec ce vent est venue la tête du serviteur de l'autre jour. Sans penser, je me suis dit que c'est dégoûtant. Et je l'ai shooté. Faut le faire partir. Quand j'ai dit à père, il a eu la tête, il a fait brûler la tête. Il supposait que ça devait être un bon fertilisant pour les champs. Mais une tête qui parle un langage aussi peu civilisé, ça m'étonnerait. Quelle horreur! Oh, la clé est tombée. Ce qui voudrait dire que je pourrais l'utiliser pour le reste. Et
plus sale. Oh, un clown. Je n'aime pas trop ça. Bon. Allez, on va voir. Attendez, d'abord je sauvegarde. Parce que je le sens mal. Les clowns, c'est toujours mauvais signe. Pourquoi j'ai toujours une... Ah, j'ai toujours, c'est génial ça. Alors, truc. J'entends pas, mais je parie que ça doit être un rire effrayant. Ok. Bon, bah, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Oh, ça rend bizarre. Il y a des livres. Des livres d'histoire. Un des livres est ouvert. Le 16e, la 16e nuit, Punchinello. Je connais un Punchinello, a dit la lune. Le public est content à chaque fois qu'il arrive. Chaque mouvement qu'il fait est si comique qu'il amène des torrents de rire dans la maison. Attendez, je vais lire simplement parce que là c'est un peu trop lyrique et c'est fatigant à traduire. Ouais, donc en gros, il dit qu'il était fait pour le théâtre. Ok, donc chacune de ses émotions est très applaudie par le public. Ok, la page du chapitre est fermée. Ok, très bien. Bon, ben donc comme je disais, donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était aussi ce point notre aventure sur The Boogeyman. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou en regardant la série début en cliquant juste là. N'oubliez pas de partager la vidéo, peut beaucoup m'être utile. N'oubliez pas que vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour voir tous les liens les plus sympas du monde. Et on se retrouvera au prochain épisode. Attends, moi je vous dis à très bientôt. Je vais rester avec ce clown. On va faire la teuf.